Vers le monde.
sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Gloria, Domine, Domine.
de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habité, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Per un domini, dimanche prochain, nous célébrerons la mort, nous entrerons en avant
Et voici que le Christ roi prophétisé par Jean-Baptiste n'est pas un roi, mais il est préfiguré sous la figure fragile d'un agneau. D'un agneau que le précurseur de Jean-Baptiste peinera plus tard à reconnaître tellement il n'incarnera pas à ses yeux les signes extérieurs du Messie attendu. D'où sa question, es-tu celui qui doit venir? Car celui qui est loin par le Seigneur, hein, qui a reçu l'onction royale, eh bien, ne va pas se manifester comme attendu, mais comme le roi d'un royaume de pauvres, comme le roi d'un royaume de frères, comme le roi d'un royaume de pécheurs, pour relever tous ceux et celles qui tombent. Et cela, ça trouble Jean-Baptiste. Dans la liturgie de Noël, voici que le très haut devient le très bas. La gloire de Dieu qui trône au plus haut des cieux révèle son entière majesté dans un tout petit enfant couché en humble place, avec pour tout palais une étable, pour tout trône une mangeoire, pour toute armée quelques bergers et leurs moutons, pour tout trésor l'amour de ses parents qui contemplent en lui le roi des anges du ciel. Un roi d'humilité, un roi plein de douceur, venu en notre humanité pour inaugurer son règne, mais un règne de justice et de paix. Puis quand vient le temps ordinaire et le carême, la liturgie dévoile non pas un roi qui vit dans une luxurieuse propriété privée, mais un homme qui n'a pas où reposer sa tête. Non un roi entouré de nobles courtisans et de célébrités richissimes, mais un homme qui marche avec des femmes et des hommes d'humble condition, qui se repose chez des amis, qui offre son temps, son écoute et sa parole à une foule d'anonymes, et qui offre surtout son pardon et sa miséricorde à des êtres singuliers. Bref, un roi venu pour servir, pour pardonner, pour réunir et pour ouvrir son royaume à l'amour des plus pauvres. À son tour, la liturgie de la Passion nous dévoile un roi non sur un char, mais sur un agneau, un roi non pas servi, mais qui sert et lave les pieds de ses disciples comme un esclave. Un roi qui a pour seul trône une croix et pour toute galère une couronne d'épines. Un roi qui a pour seul garde du corps deux brigands mis en croix eux aussi, et pour tout message d'ordre des paroles d'accueil et de pardon. Bref, un roi qui n'est pas de ce monde, mais un roi couronné de chardon, lacéré par les fouets, déchiré par les clous, pour combattre la haine et l'amour. Vient alors la liturgie de Pâques qui nous dévoile moins un roi vainqueur entouré de trompettes sonnantes et triomphantes, mais un simple jardinier, presque méconnaissable dans le grand silence d'un petit matin à la lumière à peine levée. Ou bien un mystérieux inconnu qui marche avec deux hommes attristés sur un chemin au soir tombant, dîne avec eux dans une simple auberge au modeste repas, et se fait reconnaître non par un blason ou un emblème royal, mais par un simple geste de partage qui l'efface doucement à leurs yeux pour le laisser advenir dans leur cœur tout brûlant de lui, pour annoncer l'amour plus fort que l'amour. À sa suite, la liturgie du temps pascal nous dévoile non un roi victorieux, organisant son triomphe aux yeux de tous, mais le vivant se révèle peu à peu, discrètement, par sa voix, par ses stigmates, par sa commensalité ordinaire, par une présence de paix qui ne s'impose pas, mais se fait retrait, s'intériorise dans le ciel de nos cœurs pour n'être bientôt plus que cette hôte intérieure à la vive présence. Ce souffle vivifiant et sanctifiant à travers la chair de notre humanité réconciliée et sauvée. Bref, un roi exalté, glorifié, roi à jamais,
dans nos cœurs pour rassembler tous les peuples en un seul corps. Or, ce corps royal, frères et sœurs, n'est-ce pas aussi celui que nous formons ce matin et celui que nous recevons, d'ailleurs habituellement dans l'Eucharistie, en particulier sous la figure de l'un, hostie partagée et recueillie par nos mains, dont nous faisons un trône pour recevoir et contempler le roi des rois, avant qu'il ne se livre entièrement à nous. Un roi qui donne le pain, qui nous donne sa paix, qui nous donne sa vie, pour nous apprendre à donner à notre tour notre vie en nous mettant au service des plus humbles. Car en imitant ainsi le Christ roi, c'est du corps de Jésus lui-même dont nous prenons soin, frères et sœurs. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, frères et sœurs, c'est ainsi que dans le monde, dans notre monde, nous incarnons, nous manifestons la véritable royauté du Christ, une royauté de service qui ne s'exige pas, mais se réalise de manière charnelle, dans la discrétion, chaque fois que par nos mains, notre cœur, notre intelligence, nous devenons serviteurs du serviteur, en nous faisant ainsi proches des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui des situations de détresse. Soyons sûrs alors que, par notre baptême, c'est bien le Seigneur, roi de l'univers, qui se manifeste humblement à travers ces rencontres de personnes qui attendent beaucoup de notre amitié, de notre affection, de notre prière, de notre soutien. Un roi qui aime la bonté, qui aime la vérité, qui réprouve le mal et la justice, c'est cela que nous manifestons quand nous sommes les serviteurs du serviteur. Ainsi, vous l'aurez compris, frères et sœurs, la royauté du Christ, le roi de l'univers, célébré en cette Eucharistie, comme tout au long de l'année liturgique, est donc un appel inlassablement répété à la subversion de toute forme de pouvoir par le crucifié. Chaque jour, nous le chantons, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Oui, chaque jour, nous le chantons avec Marie, afin que ministres et fidèles célèbrent par lui, avec lui et en lui, dans une égale dignité de tous, comme prêtres, prophètes et rois, compagnons d'un roi, certes sans palais, sans armée, sans trésor, pour défendre le droit des petits, mais témoin véridique de notre vrai Dieu et grand roi, qui nous a donné les uns aux autres, à chaque fois qu'à sa suite, nous prenons la tenue de service pour que son règne de justice et de paix, son règne d'amour et de fraternité advienne en nous et autour de nous. Amen.
Amen.
salutaribus moniti et divina institutione formati. Oremus de cerne. Pate noste, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo,
beatus Dei, Sceglii tolli peccata tum, beati, qui arcena maniocati su. Domine, benvenuto sum virgus, in presso tecum,